Comme cette année, j'ai fait la meilleure performance mondiale de l'année sur 10 et 20 km. Ouais, ce serait bête de ne pas tenter le 20. Je pense qu'il ne faut pas même essayer de faire. Et puis j'aurais moins la pression que celle du 50 en fait. Ouais. Ça sera le 4 août et le 4 et 11 août. Le cérémonie de clôture, c'est le 12 août. Je viens voir un peu tout le monde, je viens voir des postiers, je viens voir des clients, je viens voir les élus locaux. Ouais. Voilà. Les avions, ils sont encore à vous? Comment? Les avions? Non. Ils sont plus du tout à vous? Non, on a vendu. 0%? Zéro. Repair Poste, qui était l'ancienne aérospatiale, a été vendu. Piaque Victor, bonjour, descendez le niveau 2, 3, 0. Vous l'avez vu le sketch? C'était exactement ça, lorsqu'on arrivait au guichet. Non, ça n'a rien à voir. Vous êtes plus fiers qu'avant d'être à la poste, c'est une meilleure image et tout ça, non? Mais nous on est fiers, après je suis juste, il y a toujours des idées reçues. Ouais, il y a toujours des blagues à deux balles. Ouais, bah, voilà. Mais nous on voit la différence, on peut l'expliquer. C'est vrai qu'on a quand même cette image de confiance qui fait que les gens se disent, bon à la poste c'est pas comme ailleurs. On n'a pas le doute comme on pourrait avoir sur les placements qui ont été faits ailleurs. Depuis 6 mois, parce que Mélanie vient de Bordeaux, la région de Bordeaux. Là, on a souvent un premier rendez-vous, il n'y a pas de concrétisation particulière. Donc on leur montre qu'on s'est conseillé, qu'on s'est travaillé, qu'on a l'écoute. Et après ça, quand ils ont réellement confiance, on récupère. Voilà. Vous avez déjà discuté avec les élus de la personne? On a la luminosité, on a donc tout ce qui est espace bancaire, l'espace, la poste mobile. Et là, ce vitrail, là, il est d'époque? Oui. Beau vitrail, hein. Combien de gens qui viennent vers vous par jour à peu près? Oh, pas mal, parce que je travaille là toute la semaine et j'ai 2 jours où je suis sur le parc Berthaud, donc... Sur la même fonction? Oui. Ils viennent vous voir, spontanément? Oui, c'est des guichetiers qui vous les ont adressés? Voilà, bon. Quelques-uns, ce sont les guichetiers qui me les envoient, d'autres arrivent, voient la banque postale, ils viennent. Oui. Oui, donc oui, il y a pas mal de... D'accord. Donc beaucoup d'assurance-vie, et puis vous faites quoi aussi? Vous vendez les comptes à terme, là, les 375? Du compte sur livret, c'est ça que je veux dire. Oui, donc, les comptes à terme, les rendements de génération sont un petit peu faibles, donc on ne tient pas face à la concurrence. En revanche, en assurance, on est bon. Et puis un petit peu de Sérénia, j'essaye. Lisez votre brochure, vous allez voir, c'est bien. Alors on fait un petit peu de référencement aussi, parce que justement ce type de contrat est assez intéressant, on a une bonne tarification. Moi je suis là depuis février 2006, et avant j'ai travaillé 16 ans à Paris, le 17e. Dans le financier aussi? Oui. À Paris Nord, et dans le 17e. Et dans le 9e, à Turbo. D'accord. Et vous êtes venu encore parce que... Parce que je suis née ici. C'est un peu chargé. Oui, c'est un peu chargé. Ça a été refait en une... Oui, il y a 6 ou 7 ans, mais d'après, en respectant le style... Le style, oui, c'est ça, parce que c'est plus vraiment c'est ni le style, ni le goût d'aujourd'hui, ça, mais bon. Je suis énorme, s'il vous plaît, voilà, très bien. Samedi matin, à la journée des patrimoines, je reçois des groupes de 50 personnes constituées qui rentrent dans mon bureau, et donc je leur explique. Je dis, voyez, là, il y a toute une batterie de téléphones, alors il y en a un, je vais montrer le rabot.
vous dites, ben là, je ne vous donnerai pas le numéro, mais vous pouvez avoir un directeur président de la République. Puis à ce moment-là, il y a l'autre téléphone qui sonne. Et je prends, c'est le standard qui me dit, ne quittez pas, on va vous passer, monsieur le président Giscard d'Estaing. Alors instinctivement, bon, quand on me dit qu'on va passer un président de la République, en plus, tout, là, je me mets un petit peu en garde, et je dis, mais respect, monsieur le président, et j'ai vu les 50 personnes. Et ils se sont retirés. C'est lui ? C'est le maire ? Je le sens. Oui, apparemment, ça ressemble à ce... Oui, c'est lui. Voilà, monsieur le président Bailly. Très heureux, hein, depuis ici. Je suis très honoré de... Je vous ai fait attendre, pardonnez-moi. Non, 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 pas de problème. On a une idée. Bien à vous. Deux ans. Portez vos armes. Présentez vos armes. Cher Jean-Paul Bailly, vous n'avez pas aménagé votre peine pour vous montrer attentif aux besoins de notre île. Pour ce qui concerne les services publics postaux, je vous en remercie au nom de tous nos concitoyens. Mais ceci, c'est pas Napoléon, c'est Bonaparte au pont d'Arcole. Bon, on peut rester à faire. Voilà. Donc vous avez le Bonaparte au pont d'Arcole. Voilà. Très bien. Merci. Le président, merci. Je dois vous dire que après des peut-être une centaine de visites dans mon département. Je ne me souviens pas d'avoir été reçu aussi chaleureusement. Que ce soit votre accueil personnel, que ce soit la montée de l'escalier, je voulais vraiment du fond du cœur vous remercier parce que, bien sûr, je pense qu'une partie de ces manifestations s'adresse à moi. Mais je pense que l'essentiel s'adresse à la poste et au postier. Il y a à la fois un vrai attachement au service public et en même temps, avec le dialogue, avec la concertation, avec le temps aussi, une évolution en profondeur et la conviction partagée que la poste peut et doit évoluer tout en le faisant avec un maximum de concertation, de dialogue, de respect des hommes et des femmes et de respect de ses propres valeurs. Donc finalement, vous n'avez pas l'impression qu'il y ait tant que ça un particularisme corse, enfin, en tout cas au niveau de la poste, c'est... Il y en a sûrement un, mais je veux dire, il est plus dans la manière de travailler ensemble, dans la relation, peut-être dans le rythme auquel les choses se font, que dans une posture qui serait une posture soit de rejet, soit de refus de l'évolution et du changement. D'accord, voilà. Vous n'avez pas l'impression que c'est un territoire qui est resté en dehors de... Non, c'est un territoire qui est en train de... qui trouve sa propre voie, qui trouve sa propre dynamique, qui probablement dans beaucoup de sujets, à juste titre, n'est pas tombé dans des développements immobiliers ou touristiques excessifs. Mm-hmm. Voilà, c'est sa caractéristique et je pense que c'est aussi son charme. Mm-hmm. Merci. C'est vous qui portez à la fois le service de la poste, mais aussi l'image de la poste. Et cette image est très bonne. La poste est l'entreprise en qui les Français ont le plus confiance. Et c'est en grande partie grâce à vous. Voilà, je voulais vous le dire et vous remercier. Allez, bon, et puis il y a l'équipe de foot devant, ça va. Allez, on se met. Tiens, la molette. Allez. Tout le monde a bien voulu accompagner ces changements.
Ces changements, des fois, ils sont un peu inquiétants, on se dit qu'est-ce qui va se passer, mais sur le fond, ils sont nécessaires, quoi. Hein. Puis on a essayé de le faire le mieux possible. Bien sûr. Voilà, ouais. Nous, ça met très bien. Là, et puis on a investi, vous avez on croit oui, à l'avenir. On a fait quand même des efforts, parce qu'on a été localisé. On était à Bastia, on a été localisé. Ouais, c'est pas mal ici. C'est très beau, vous avez vu la vue que nous avons. Vu sur la mer, un peu plus loin, il y a le cimetière. Il n'y en a pas beaucoup, ça. Mais il n'y en a pas beaucoup, pour la vue comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous envient, ça c'est sûr. Le timbre, là, il est sorti il y a 2-3 jours. Non, on l'a peut-être pas. Vous l'avez pas eu ? Non, non. Aïe, 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 on l'a pas eu. On l'a pas eu. Je vais demander à ma caissière, mais... Non, vous l'avez pas eu. Ah bon, vous l'avez eu ? Voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Il m'a dit qu'il n'y en avait plus. Celui-là, voilà. Voilà, très bien. Ouais, ils sont beaux. Ils sont magnifiques, oui. Hein. Ah oui, ils sont beaux. Et vous le vendez bien ? Oui. On essaye, du moins. Mais comment ils le savent, les clients, qu'on a ça ? Ils savent tous les clients. On leur dit. Ah, comme ça, c'est plié. Hop. Ah, on a des boutiques, ouais. Ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. Là. Ouais. Dès que tu veux aller à jouer timbre, c'est ça maintenant. Bah, c'est bien, c'est pour ça qu'on est. En fait, on suit la actualité pour la vente. Oui, il y avait la poste. On travaille avec la poste. Oui, oui. Parce que quand on fait une signalétique un peu. Patrimonial dans les quartiers anciens, il faut aussi que la poste s'y inscrive harmonieusement. Elle sait le faire et ça donne de bons résultats. Voilà. Très bien. Georges de Zerbe là-bas, avec sa belle cravate rayée. La transformation, le changement de ces motos qui deviendra, on attend d'ici 2015 10 000. Elles se répartiront évidemment dans tout le territoire et sans doute avec une certaine priorité aux villes moyennes. Ça fait qu'on peut gagner jusqu'à 5 à 7% Rien qu'avec cette conduite écologique. Rien qu'avec une conduite écologique. Ensuite, on a décidé de passer une commande de 10 000 véhicules électriques, ça c'est les voitures de facteurs, d'ici 2015. Bien, voilà, bah, écoutez, on va vous remettre la clé de ce Bel oiseau bleu. Je suis décoré par la poste, enfin, il était grand temps. Pour regarder sa vie sans doute. Je crois qu'il était d'accord sur sécurité. Voilà, super. Voilà. Vous l'avez plus. Ah non, mais j'ai plus le mien. Je vous souhaite évidemment la bienvenue dans notre village. Nous sommes très sensibles pour l'intérêt que vous portez à notre commune. Et votre présence ici est plutôt rassurante. Monsieur le Président, c'est un événement rare de voir le chef suprême de la poste de notre pays fouler le sol de notre commune. Quétrab est un village à vocation essentiellement pastorale. Nous appartenons tous à des familles de bergers. Ça a laissé des traces et nous en sommes très fiers.